sais plus, j'avais auditionné pour un rôle qu'a fait finalement Étienne Chicot, très bien d'ailleurs, et j'ai été repêché pour un tout petit rôle. On m'a dit, est-ce que ça vous intéresserait? C'est une journée de tournage, vous faites casser la figure par Jean Reno. C'est un plaisir. Pas mieux, c'est un plaisir. Vous avez une passion pour les voix, je vous propose de vous en offrir quelques-unes parmi celles que vous aimez le plus. Recherchez votre épave, si mortelle à ma gloire. On dirait que l'Espagne impute à ma mémoire d'avoir mal soutenu l'honneur de ma maison. Allons, mon brave, faisons du mal à l'honneur, puisqu'après tout, il faut perdre Chimène. Il y a certaines voix qui sont comme un massage de la tête. Moi, il y a des voix qui me bouleversent. Pour moi, rien de plus beau à regarder qu'une femme en train de marcher pourvu qu'elle soit habillée d'une robe ou d'une jupe qui bouge au rythme de sa marche. Il y a celle qui file rapidement vers un but, peut-être vers un rendez-vous. Il y a celle qui se promène avec sur le visage un air de loisir. Certaines sont si belles vues de dos que je retarde le moment d'arriver à leur hauteur pour ne pas être déçu. La part de celui qui reçoit le son laisse sa part de liberté beaucoup plus grande. Vous avez reconnu ces voix, j'imagine? Oui, oui. Oui, oui, j'ai eu un doute à un moment, mais c'est Barrault hein, qui oui, est quand même d'éleveur. Oui, tout oui. À fait. Charles Denner, bien sûr, Truffaut, l'homme qui aimait les femmes, Zabou qui parle de son amour aussi pour les voix, Michael Lonsdale un instant, Clément de Verlaine pour Mon rêve familier, puis Gérard Philippe. Vous faites l'unanimité quand on parle de vous, on se rend compte que tout le monde vous aime. Si ce n'est une chose en vous qui parfois crée la polémique et peut même mettre en colère. Rudel, vous avez raison. Roger Rudel. Rudel, c'est ça. Et c'est génial, j'ai regardé sur internet des vidéos où il dit des textes incroyables. On voit Douglas. Ah oui. S'entraîner avec des couteaux sur les mots. Où on va? Je crois qu'il y a un minimum, la boucherie à ciel ouvert, ça commence à bien faire, il y a un minimum d'éthique à respecter. Qui s'est conclu par la sortie en triomphe du torero madrilène par la porte du consul, sous les yeux de 14 000 spectateurs venus de vingtaine de pays différents. Depuis le temps que je patiente. Est-ce que ce monde est sérieux, Denis Podalides? Moi je reviens au. Il dit que la corrida, la tauromachie, c'est indéfendable. C'est peut-être même pour ça qu'il faut que je continuerai à la défendre. Il n'y a pas d'argument. J'ai remarqué que tous les arguments ne convainquaient absolument personne. Je pense que je n'ai pas bien répondu sur les sons. En fait, ce que j'aime, c'est d'abord des sons mixés. L'ensemble, voix, musique, nature. En fait, c'est l'extrait de film à la radio. Je connais pas de choses qui ne me fassent plus basculer dans la rêverie. De se souvenir d'un film à travers quelques secondes de sa bande-son. Alors, c'est pas des bruits naturels, pas du tout, justement. Mais peut-être, souvent, ça m'a procuré de très grandes émotions. je ne sais pas du tout. C'est un livre qui devrait intéresser ceux qui entrent dans la carrière d'acteur, qui aimeraient en faire et qui aimeraient assister ou faire un tournage. Je pense qu'il y a des choses sur les... C'est peut-être prétentieux ce que je dis, mais il y a des choses sur les tournages, sur le cinéma, qui n'ont pas été dites ou qui n'ont pas été dites de cette manière-là. Je vous donne rendez-vous dimanche à 13h dans Pour un oui ou pour un son. Voilà. Merci. Pour un oui, pour un son. Bertrand Bichot.